Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un personnage en 2D. Ce tutoriel fait bien sûr suite au premier tutoriel que j'avais publié sur comment modéliser la tête d'un personnage en 2D. Donc, nous allons effectuer les mêmes opérations que la dernière fois. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vais recommencer du départ. Donc, je vais sélectionner la caméra. Je fais Alt-R afin de réinitialiser la rotation de la caméra, et Alt-G afin de réinitialiser son positionnement. Dans l'autre vidéo, j'étais passé par le menu N, et j'avais mis la localisation à 0 et la rotation à 0. Mais il est plus simple de faire Alt-R, Alt-G. Donc la caméra se trouve au milieu du cube, donc nous allons la surélever. Nous allons sélectionner le cube, appuyer sur X pour le supprimer, puis sélectionner Delete. Nous allons passer en vue de caméra, touche 0 du pavé numérique. Ensuite, nous allons changer la résolution, nous allons passer en 500 par, 800. Voilà. Donc, nous allons maintenant créer un plane, donc une forme plate. Donc, nous allons faire Shift A, puis Plane. Nous allons passer en vue orthonormale, en appuyant sur la touche 5 du pavé numérique. Voilà. Donc nous allons passer en vue caméra. Nous allons déplacer le plane. Nous allons le modifier. Donc, nous allons le modifier grâce à un modifieur, comme son nom l'indique. La clé à molette, la modifieur, add, subsurf, surface, que nous allons augmenter, comme ceci. Nous passons en mode edit à présent, donc touche table du clavier, et nous allons déplacer ces points en les sélectionnant avec la touche shift enfoncée et en les déplaçant. Nous allons redimensionner la base de la tête, en appuyant sur la touche S, puis la déplacer. Nous avons ainsi une forme ovale, rappelant un visage de personnage assez succinct. Nous allons maintenant effectuer des séparations, donc CTRL R, afin d'effectuer une séparation dans la tête du personnage, dans la forme du visage. Donc nous allons effectuer deux séparations. Donc pour effectuer une nouvelle séparation, il faut pousser vers le haut la molette de la souris, puis clic gauche pour sélectionner. Comme nous pouvons voir, le fait d'ajouter des séparations déforme le visage du personnage. Donc ensuite, nous allons faire S, Y, redimensionner cette sélection, puis la déplacer vers le haut. La redimensionner avec la touche S, redimensionner la partie supérieure, avec la touche S, et redimensionner également la partie supérieure, comme ceci. Nous allons effectuer des séparations dans l'autre sens à présent, comme ceci. Donc, nous voyons que il y a eu des déformations au niveau du personnage, donc nous pouvons compenser ces déformations en déplaçant ces points, comme ceci. Nous allons effectuer encore une séparation de ce côté et une autre de ce côté. Nous allons passer en mode de sélection de face, sélectionner ces deux faces et les supprimer, touche X. CTRL Z, supprimer face. Hop. X, face et non vertice. Voilà. Donc, ainsi nous avons les orbites des yeux du personnage. Nous allons maintenant créer la bouche. Donc CTRL R ici. Effectuons un deuxième CTRL R. Puis nous allons supprimer les trois faces intermédiaires. X pour supprimer, face. Nous repassons en mode edit. Donc maintenant nous allons effectuer une séparation au milieu du visage du personnage, donc ici
milieu. Donc pour bien sélectionner le milieu, nous pouvons cliquer sur la touche droite. Ainsi, la séparation se fait exactement au milieu du personnage. On trouve R, sélection, clic droit. Nous allons à présent supprimer la moitié du visage du personnage. C'était pour cela qu'on a effectué cette séparation. Donc touche B pour une sélection de type carré. Nous supprimer la moitié donc, du personnage. Donc j'avais laissé sélectionner ces deux vertices là, je vais les désélectionner, touche Shift et je reclique sur les vertices, puis touche X et cette fois-ci vertice. Donc ici nous avons une moitié de personnage. Donc pour pallier à ça, nous allons ajouter un nouveau modifieur, un modifieur de type mirror. Comme ceci, donc nous voyons que les coins en fait du visage sont mal agencés. Donc pour résoudre ce problème, nous allons appuyer sur clipping. Non, pas clipping. Avant d'ajouter un mirror, nous allons appliquer le subsurf. On ne peut pas le faire en mode edit. Nous allons appliquer le subsurf comme ceci. Ainsi, nous avons un maillage qui correspond exactement à la surface. Donc maintenant, nous allons appliquer un miroir, le clipping, et nous allons déplacer les points afin qu'ils soient exactement dans l'alignement, afin de réaliser un visage mieux réalisé. Ceci. Voilà, nous avons un visage meilleur que le précédent. Donc touche S pour redimensionner, redéplacer vers le haut. Nous allons maintenant créer le corps du personnage. Donc le corps du personnage se crée de la même façon. Nous allons réutiliser un plane. Nous allons refaire un subsurf sur ce plane de niveau 2, redimensionner. Ceci. Nous allons appliquer le subsurf. Ceci. Donc ici maintenant nous avons le corps du personnage. Nous allons maintenant créer les bras. Donc les bras, nous allons réutiliser le corps pour les créer. Donc nous faisons Shift D afin d'effectuer une duplication. Et nous allons redimensionner sur X et redimensionner dans les deux axes X et Y. Effectuer une rotation à partir du point médian, puis nous allons déplacer. Nous allons effectuer une nouvelle copie symétrique, la déplacer. Nous allons faire de même pour les jambes du personnage. Et effectuer encore une nouvelle rotation pour l'autre jambe du personnage. Puis la déplacer. Donc voilà pour ce qui est de l'animation du personnage. Donc maintenant nous allons passer à son animation. Donc l'animation du personnage dépend beaucoup du centre de symétrie en fait des objets. Donc ici il se trouve ici. Ici je l'ai placé intentionnellement ici. Nous voyons qu'ici je l'ai placé en bout du bras. Pour quelle raison? Parce que l'animation du personnage en 2D, donc c'est des types d'animation de type cut-out, comme les Sunspark. Donc l'animation se fait à partir d'un bras de rotation, et le bras de rotation se fait à partir du centre de l'objet. Donc quand nous effectuons des rotations, ici nous voyons que le bras a une rotation par rapport au centre. Au centre de celui-ci, pareil pour ici, puisque j'ai effectué une duplication, et c'est la même chose pour les jambes. Mais pour la tête, nous allons voir que la rotation s'effectue autour du centre, donc n'est pas du tout
naturelle, pas du tout cohérente. Donc pour la modifier, nous allons repasser en mode edit. Nous allons, avant de repasser en mode edit, nous allons appliquer le mirror, passer en mode edit, sélectionner entièrement toutes les vertices du maillage en appuyant sur la touche A et déplacer tout le maillage vers le haut. Et nous voyons que quand nous déplaçons le maillage, le point central de l'objet ne se déplace pas. Donc nous allons placer le point à la partie inférieure et nous allons repasser en mode objet, redéplacer la tête et nous voyons qu'à partir de maintenant, la tête a un axe de rotation plus naturel. Donc de cette façon, nous pouvons créer une animation de personnage, très simplement. Mais pour que le personnage, lorsqu'on a un personnage, on veut qu'on puisse le sélectionner d'un seul clic pour pouvoir le déplacer où on veut. Tandis que ici, si on sélectionne par exemple le ventre et qu'on essaie de le déplacer, nous déplaçons que le ventre. Donc, pour pallier à ce problème, nous allons effectuer des liens de parenté entre les objets. Donc pour ce faire, nous sélectionnons par exemple un bras, nous appuyons sur Shift pour effectuer une nouvelle sélection, nous allons sélectionner le ventre, puis faire CTRL-P afin d'effectuer un lien de parenté entre les deux objets. CTRL-P, donc maintenant nous avons un lien de parenté entre le bras et le ventre, donc lorsque nous effectuons une rotation, c'était comme avant, la rotation s'effectue bien, mais si nous cliquons par exemple sur le ventre et que nous essayons de le déplacer, le bras le suit. Donc le bras est devenu le parent de l'objet. Le ventre est devenu le parent de l'objet bras. Il est très important, le sens de lien de parenté est très important. Il faut d'abord sélectionner l'objet enfant, si on peut dire, et ensuite l'objet parent. Objet enfant, le bras. Objet parent, le ventre. CTRL P. Set to parents, objet. Et nous faisons de même pour tous les objets. Il est très important aussi d'effectuer chaque objet l'un après l'autre. Donc, la jambe, le ventre, CTRL P. L'autre jambe, le ventre, CTRL P. La tête, le ventre, CTRL P. Nous voyons également que les liens de parenté sont symbolisés par des traits discontinus qui relie chaque objet. Ces traits discontinus ne sont bien sûr pas visibles lors du rendu du personnage. Ainsi, pour effectuer des rotations du personnage, comme nous pouvons le faire avant. Rotation. Et nous pouvons déplacer tout le personnage autant qu'on le souhaite. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les bases de la modélisation et de l'animation d'un personnage en 2D avec Blender. Si vous prenez envie de créer justement des personnages en 2D, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, j'en serai très content et je les publierai sur ma chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel, au revoir.